Conséquence, inévitable passing shot de Borg, qui fait donc le point 0-15. De John McEnroe sur ce retour très difficile de Pionborg. 15 partout. Un excellent service de McEnroe qui file parfaitement au filet. C'est un des points forts du jeune américain, cet enchaînement service-volée 40-15. Et regardez au service la position de McEnroe, il est parallèle à la ligne de fond. Et un nouveau excellent service de John McEnroe qui n'a pratiquement pas manqué une première balle dans ce jeu, ce qui lui permet de prendre ce troisième jeu du premier set et de mener 2-1. Au service, Borg qui est mené 2-1. First service. Dommage de la part de Björn Borg qui était remarquablement monté au filet là sur son attaque de coup droit très profond et peut-être qu'il a voulu malheureusement trop amortir sa balle, c'est dommage. Help! 0-30. Un coup droit trop long de Borg. Pour le préciser, François aussi, lorsqu'il est menacé, mené au score, Borg n'hésite jamais à monter au filet et il fait bien souvent le point. Partie 30 all.
grosse faute là de John McEnroe. 40-30 pour Björn Borg. Énorme, beaucoup trop long ce log de McEnroe et je pense qu'il égalise deux jeux partout dans ce premier set. Je crois que Hervé, on peut préciser pour les téléspectateurs que cette rencontre se joue sur une surface caoutchoutée, légèrement caoutchoutée, qui n'est pas très rapide mais qui nécessite un déplacement de jambes absolument parfait pour reprendre les balles extrêmement vives des deux adversaires. Au service, McEnroe. Ce remarquable passing shot et cet exceptionnel demi-volé sur laquelle il est allé chercher le passing shot de Björn Borg. Sur sa première volée. Un peu courte. Il avait ouvert un angle en la jouant en croisée au suédois et cela, bien évidemment, ne pardonne pas. 40-30. Et un John McEnroe qui a peut-être fait un petit peu l'erreur là de partir de loin sur un revers lifté pour prendre le filet, qui n'a pas eu le temps de s'en saisir. Tout à l'heure, le service de McEnroe sera le point d'interrogation. Vous pouvez constater que là, pour la première fois dans ce jeu, il a passé un petit peu moins de première balle et Borg en a aussitôt profité pour avoir sa première balle de break de la partie. La partie est
quand il a passé sa première balle, mais quel remarquable relanceur Edor, il ne se contente pas de retourner, il joue son coup à fond, et qu'il a de retour, extraordinaire, prend le service de McEnroe pour la première fois depuis le